53 ans en 1920, une compagnie expérimentale belge, la SNETA, ouvre au Congo le premier tronçon d'une ligne Léopoldville-Gombe au moyen d'hydravion Lévis-les-Pen. La même année, 9 appareils sont enregistrés en Belgique par la SNETA, qui crée aussitôt des services réguliers vers Paris et Londres. Très vite, Bruxelles-Paris est prolongé jusqu'à Amsterdam. La SNETA est dirigée par un ancien pilote, le commandant Georges Nellis, accompagné ici par le roi Albert, qui suit de près les progrès de notre aviation commerciale. Mais la SNETA, qui avait pour but de défricher les routes du ciel tant en Europe qu'en Afrique centrale, la SNETA met un terme à ses exploitations le 1er juin 1922, considérant sa mission achevée. Moins d'un an plus tard, le 23 mai 1923, la société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne, en abrégé Sabena, voit le jour à Bruxelles. Immédiatement, la Sabena assure plusieurs transports de journaux entre la Grande-Bretagne et la côte belge. En avril 1924, une ligne fret est créée, Rotterdam-Bruxelles-Strasbourg. Les appareils sont des bimoteurs Handley Page. En juillet de la même année, les premiers trimoteurs Handley Page sont livrés et la Sabena transporte ses premiers passagers vers Strasbourg et Bâle. Pendant ce temps, au Congo belge, des liaisons sont ouvertes entre les centres les plus importants, de nouvelles pistes se construisent, mais les avions qui volent au Congo sont toujours acheminés par bateau d'Anvers en Afrique. Un ancien de l'aviation militaire belge, le lieutenant Edmond Thieffry, propose alors à la Sabena de livrer un de ses appareils par la voie des airs. Il réalisera en même temps une véritable exploration aérienne d'un itinéraire pouvant permettre une exploitation régulière d'une ligne Belgique-Congo. Le projet est accepté, l'opinion publique se passionne, le roi Albert suit de très près les préparatifs de départ. Sous la conduite d'Edmond Thieffry, chef de mission, l'avion sera piloté par Léopold Roger, assisté de Jeff de Breuker, mécanicien de bord. La princesse Marie-Josée, marraine de l'appareil, baptise en grande pompe le Handley Page, entièrement monté à Bruxelles. Et le 12 février 1925, des milliers de personnes assistent à Arènes au départ d'un voyage qui va durer 51 jours, dont 75 heures et 25 minutes de vol effectif. Dans les années qui suivent, les activités de la Sabena ne cessent de croître. En 1926, la ligne régulière Bruxelles-Londres est ouverte. En 1928, Cologne-Anvers-Bruxelles. En 1929, Düsseldorf-Essen-Hambourg. En 1931, c'est Copenhague et Malmö. En 1932, Dortmund et Berlin. Et en 1935, le trimoteur Fokker F7, baptisé Edmond Thieffry, quitte Bruxelles et atteint Léopoldville 5 jours et demi plus tard, réunissant ainsi les réseaux européens et africains de la Sabena. Écoutez le témoignage de ceux qui ont vécu cette période historique de notre compagnie aérienne. Ah, je suis rentré en service à la Sabena en 1930. Et là, bon Dieu, j'ai commencé dans les ateliers, j'aimais la mécanique, j'ai fait l'atelier moteur, les révisions moteurs, pour passer par la suite à l'entretien, qui me permettait par la suite précisément d'être radiomécanicien, parce que mécanicien, il n'en prenait plus par la suite, parce qu'en vue de la liaison Belgique-Congo, déjà, il fallait des radiomécaniciens. Et c'est en passant par la hangar, puis l'atelier, l'entretien, et après avoir été décroché un brevet de radio, pas, alors en 32, on a commencé à voler avec les radios. Alors de 32 à 35, j'ai volé en Europe, n'est-ce pas, sur toutes les différentes lignes. Sur quels appareils à l'époque? Ah, j'ai commencé sur le Fokker F7, trimoteur, trois moteurs de 230 chevaux. Ça faisait 690 à la vitesse fantastique de 165 km à l'heure de croisière. Énorme, pour l'époque. Comment? Surtout qu'actuellement, on va vers les 860, les 900 km, vous vous rendez compte. Mais c'était en 30 aussi. Oui. 30. Quel est le premier long vol que vous avez fait? Ah, le premier long vol, c'était Bruxelles-Léopoldville. En 5 jours et demi. On ne volait pas la nuit. Et quel était le travail du radio à ce moment-là? Ah,
En principe, il assurait, disons, les communications pour fournir au commandant de bord les renseignements de la météorologie, surtout les sondages qui lui permettaient de choisir l'altitude où les vents étaient plus favorables pour aller le plus vite possible, et alors signaler, au cours du vol, toute la demi-heure rendez-vous pour signaler, rien que TVP, tout va bien, mais ça donnait la présence de l'avion en l'air, que tout allait bien. C'était une information. Sinon, toutes les heures, c'était malgré tout demandé si les sondages n'avaient pas changé, les conditions atmosphériques à l'atterrissage. Et ma foi, comme ça, j'assurais la protection, si je puis dire, au point de vue météorologique. Mais... Alors, à part, enfin là, j'avais d'autres fonctions secondaires, qui n'étaient pas officielles, mais qui étaient souhaitables. J'étais steward. J'avais des boîtes à conserve, n'est-ce pas, en dessous de mon siège, du cornet-beef, des petits pois, du cassoulet, des carottes. Et pour qui, ça? Ah, bien écoutez, quand vous pensez à la section d'étranglement de Reganagao, qui faisait 7h45 de vol, à 8h, sans rien, ça n'était pas prévu dans l'avion, il n'y avait rien. Eh bien, je demande aux passagers, les deux que nous avions déjà, n'est-ce pas, ceux qui désiraient, ils pouvaient choisir entre ce cornet-beef, petit pois, carottes, cassoulet, et je pouvais leur servir que tiède ou chaud, parce que frigo, il n'y avait pas. Et le service, ça se réduisait à, si c'était chaud, à mettre sur le tuyau d'échappement pendant 10 minutes. Quand c'était chaud, qu'une serviette j'ouvrais et qu'une cuillère à café. Monsieur, s'il vous plaît. C'était fort rudimentaire. Oui, mais vous avez des pannes parfois. Oh, si, c'est arrivé une fois. J'ai dû me poser au cours de ce voyage en bidon 5 où j'ai enlevé des culbuteurs et je les ai remplacés. Et pas... bidon sec où il y a deux fois rien, enfin, mais enfin, on s'est posé et par précaution, au départ de Reagan, on demande toujours où se trouve la clé de la pompe à essence parce qu'on ne sait jamais. Et pas. Alors ce monsieur disait, vous vous mettez à la pompe, d'après le nord, c'est 178 degrés, à peu près comme cela, n'est-ce pas? Donc c'est presque 180, à tant de mètres de distance de la pompe. Vous fouillez dans le sol à 50-60 cm, vous trouvez une boîte à conserve et la clé du cadenas se trouve là-dedans. Alors il fallait avoir ce renseignement, sinon on pouvait fouiller tout autour de la pompe sans jamais rien trouver la clé. Oui. Et cela, d'ailleurs le bidon 5, on s'en servait aussi en cours de vol pour dropper les... pour laisser tomber des chicons de Bruxelles. Le seul homme qu'il y avait là à l'époque pendant la saison chaude, on l'alimentait avec des chicorées de Bruxelles emballées dans des journaux qu'il aimait bien, les Côtes d'Alger, le miroir des sports de chez nous, autour d'un kilo de chicot, n'est-ce pas, une loque bien noire, que ça se voit sur le sable clair. On lui demandait de faire un peu de fumée pour dire quelle est la direction du vent, et alors à bidon 5, quand on est con, la direction du vent, on s'orientait de telle façon que ça tombait le plus près possible sa pauvre petite baraque qu'il avait, n'est-ce pas. Et à un moment, laissé dropper, vous savez comment ça va avec les opérateurs, tic, 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 tic. Et puis à ce moment-là, il répond tic, tic, on sait qu'il va sortir, et nous, on ouvre la porte. Ça s'ouvrait de cela, cabineau pressurisé, toc, laissé tomber. Dans le dérivomètre, je regardais et je comptais le nombre de baraques et la distance et l'orientation. Pour qu'au cas où il ne nous trouvait pas, que je puisse lui dire dans telle direction il faut chercher à telle distance. Parce que les chicots, ce sont des vitamines qui étaient rares à cet endroit-là. Mmh. Marc Augis, vous êtes à la fois journaliste et la première passagère qui a effectué un vol Belgique-Congo. Souvenir régulier. Le vol régulier Belgique-Congo, en effet, oui. Oui. Vous voyagez en avion depuis longtemps, je crois. J'avais commencé quelques années auparavant, justement parce que l'aviation m'intéressait, j'avais essayé de me diriger dans le journalisme aéronautique. Et vous vous souvenez nettement de cette époque? Assez nettement, oui, tout de même. Surtout les côtés pittoresques me sont restés en tête. Différentes de celle-ci, je crois. Tout à fait, oh, oui. Ça, c'est le jour et la nuit. Comme passagère dans ce premier vol qui m'intéresse beaucoup, est-ce que... Comment étiez-vous installé? On était installé d'une manière un petit peu bizarre, évidemment, puisque la moitié de la carlingue était employée pour le fret, le matériel, je ne sais quoi. Là-dedans, il restait deux fauteuils. J'étais seul, alors les deux fauteuils me suffisaient, mais on était assis, enfin. Oui. Je crois qu'il y avait beaucoup de bruit dans l'avion à cette époque-là. Ah oui, naturellement. Absolument pas insonorisé. Et beaucoup de secousses? Ça dépendait où on volait. Au retour, par exemple, quand on a traversé le Sahara, on a volé environ à 100 mètres, 150 mètres. Alors, je m'entends vous dire, c'était la valse d'un bout à l'autre. Vous avez beaucoup de regrets, semble-t-il, de cette époque. Oui, beaucoup. C'était une très belle époque en aviation. Il y a eu de très belles choses.
Il y a eu des hommes très bien. C'était passionnant. Quel était le souvenir, le... Quel est le souvenir le plus marquant? Je ne pourrais pas en citer un. C'est un ensemble. Quand je pense à cette époque-là, quand je pense à tous ces gens que j'ai côtoyés, grâce à l'aviation, j'ai envie de leur dire merci, simplement. Roger Gillens, vous êtes un ancien pilote de ligne. La vue d'un pareil tableau de bord de 747, est-ce que cette vue vous fait rêver? Y a-t-il beaucoup de différences? La vue, oui, bien sûr, me fait rêver, pour la bonne et simple raison que j'aimerais toujours piloter, c'est bien certain. Mais au point de vue différence, oui, il y en a. L'instrumentation a suivi les progrès techniques généraux de l'aviation, mais si on y réfléchit, tout ce tableau de bord peut être divisé en trois zones. L'extrême gauche et l'extrême droite, l'instrumentation est la même. La partie centrale, c'est la conduite et la surveillance des moteurs. Alors, si je vois ce qu'il y a ici, oui, c'est différent, oui, c'est plus élaboré, mais fondamentalement, le tableau de bord n'a pas tellement changé. Vous étiez pilote sur quelle ligne? Mais, entendons-nous sur le mot ligne, à vrai dire, à l'époque, les pilotes ne faisaient pas régulièrement un même trajet. Il y avait les lignes de la Sabena, et les pilotes allaient tantôt à Cologne, le lendemain ils allaient à Londres, le jour d'après ils allaient à Malmö, le jour d'après à Paris. Il n'y avait pas d'affectation permanente à un trajet. C'est ça. Mais quels appareils aviez-vous à l'époque? Mais il y avait les Fokker F7, les Handley Page terminaient leur vie. Il y avait encore des Westland Wessex, qui était utilisé en ordre principal sur Bruxelles-Anvers, qui était une ligne importante à l'époque. Et puis il y avait les Fokker F7, qui étaient d'excellentes machines, qui étaient de bien bravées. Quelles étaient les grandes lignes en Europe? Mais la plus grande ligne en Europe, à l'époque dont je vous parle, c'était au fond Malmö. Ça, c'était la plus grande. Alors par la suite, bien sûr, est venue la liaison du Congo. Vous l'avez faite quelquefois? Mais oui, j'ai eu la chance avec Van Acker de faire la quatrième et d'avoir Marco Gis comme pilote, comme passager. Oui. Et oui. Passager n'était-il pas un peu considéré comme des hommes prenant des risques? Mais non, pas comme des gens prenant des risques. Je crois qu'on pensait que c'était des gens qui, eux, aimaient l'aventure. Hein, c'est là qu'il y avait un petit peu d'aventure. Mais non, je crois pas qu'un seul de mes camarades ait considéré que ces gens prenaient des risques, pas plus que nous, enfin. Certainement pas. Et votre passager, Marco Gis, s'est bien comporté lors du premier vol? Mais elle s'est très bien comportée. Très bien comportée. Elle a d'ailleurs fait par la suite tout un tour du Congo à l'heure belge. Et puis elle est rentrée avec des camarades par, je crois, la cinquième ou la sixième liaison. Pour une femme, c'était quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Indiscutablement, oui. Et il est certain qu'elle ayant participé à des premières comme le vol de nuit sur Londres et des choses pareilles, eh bien, oui, c'était quelqu'un qui... c'était une figure, si vous voulez, du monde journalistique et un peu aéronautique de l'époque. Elle était toutes les premières de la Sabena. Et je crois que si on l'avait laissé faire, elle aurait été de la première sur la Belgique-Congo. Elle a été de la quatrième, c'était pas si mal. 1936, voilà mise en service sur la ligne Bruxelles-Congo du nouvel appareil Savoia Marchetti S73 qui permet à 6 passagers de gagner Léopoldville en 4 jours de voyage. Un départ pour l'Afrique attire toujours à Arènes une foule considérable car chaque fois l'événement est d'importance. Successivement, le trimoteur Junkers Ju-52 et le Savoia Marchetti S-83 sont mis en ligne. Ce dernier peut emporter 8 passagers et en 1938, il réalise la liaison en 3 jours seulement.
Les voyages vers l'Afrique se multiplient. En novembre 1938, le chiffre de 100 liaisons Belgique-Afrique centrale est atteint. Pendant la guerre 40-45, c'est à l'intérieur de l'Afrique que la SABENA poursuit ses activités en soutenant l'effort de guerre des Alliés. Le réseau passe de 5500 à 32 000 km en 1945. En 1946, la SABENA engage les premières hôtesses de l'air. La flotte aérienne belge se modernise. Ce sont maintenant de nouveaux appareils qui viennent remplacer les Junkers 52 et les Lockheed. Et en 1947, la SABENA ouvre une ligne régulière entre la Belgique et les États-Unis à l'aide des Douglas DC-6. L'aviation commerciale belge se développe de plus en plus, de nouvelles escales sont ouvertes, le réseau de la SABENA prend peu à peu la physionomie de celui d'aujourd'hui. Depuis 1947, la SABENA a quitté Arène devenue vétuste et trop petit et s'est installée à Melsbrook dans une nouvelle aérogare en bordure d'une plaine importante dotée de pistes permettant l'atterrissage et le décollage des nouveaux appareils DC-4 et DC-6. L'aéroport de Bruxelles devient une attraction touristique et des visites guidées sont organisées pour permettre à un nombreux public de se familiariser avec l'aviation. Un hôte de marque, le roi Baudouin, accueilli par M. Gilbert Perrier, président de la SABENA, visite les ateliers de mise au point et de révision des moteurs. En 1950, notre compagnie aérienne crée le premier service postal européen par hélicoptère. Par tous les temps, le courrier est acheminé rapidement vers les régions les moins favorisées du pays. Et en 1953, la SABENA lance un réseau international d'hélicoptères pour passagers en Sikorsky S-55. En présence de M. Van de Meulebroek, bourgmestre de Bruxelles, un héliport est inauguré à l'Allée Verte. Rotterdam, Eindhoven, Lille, Cologne sont les principales escales de nos appareils. Avec la mise en ligne des Sikorsky S-58, Paris est également relié à Bruxelles en 1957. Lors d'importantes inondations aux Pays-Bas, les hélicoptères belges assurent de nombreuses missions de ravitaillement et de sauvetage des populations sinistrées. La reine Juliana des Pays-Bas emprunte elle-même un hélicoptère de la SABENA pour se rendre dans les régions les plus déshéritées. En 1954, voit l'inauguration au centre de Bruxelles de l'air Terminus, en présence de M. Van de Meulebroek et de M. Brunfaux, architecte de la jonction Nord-Midi. Pendant quelques années, la SABENA utilise des DC-3, des Convairliner, des DC-4 et des DC-6. Mais déjà en 1955, la compagnie passe commande de quadrimoteurs Douglas DC-7C, de bimoteurs Convair Metropolitan et enfin de quadriréacteurs Boeing 707.
Depuis quelques années, il s'avère que Millsbrook ne répond plus aux besoins d'un aéroport moderne. De nouveaux bâtiments sont créés, les pistes sont réaménagées et allongées, et en 1958 à Zaventem, la nouvelle aérogare de Bruxelles nationale est prête à faire face à l'expansion du trafic aérien qui se dessine. En 1960, la Sabena est la première compagnie aérienne européenne à mettre le Boeing 707 en ligne entre l'Europe et l'Amérique du Nord et aussi vers l'Afrique. Les premiers biréacteurs Caravelle sont mis en service en 1961. Mais déjà en 1958, le roi Léopold et le prince Albert avaient eu l'occasion de faire ample connaissance avec le nouvel appareil de construction française. En 1967, le trimoteur Boeing 727 vient compléter la flotte de la Sabena, qui dès ce moment est entièrement constituée par des avions jet. L'aéroport de Bruxelles National voit chaque jour atterrir et décoller des appareils modernes de tout type. Actuellement, une soixantaine de villes situées dans quelques 50 pays sont desservies par la Sabena en Boeing 707-727, en Caravelle et maintenant par le Jumbo Jet 747. Dans peu de temps, le DC-10 et le Boeing 737 seront à leur tour mis en service. L'importance du trafic à l'aéroport de Bruxelles National a nécessité la construction d'un satellite, nouveau bâtiment doté d'équipements les plus perfectionnés où les passagers peuvent être accueillis dans les meilleures conditions. 11 avions, y compris le Jumbo, peuvent se grouper autour du satellite pourvu de passerelles télescopiques. Les installations de l'aéroport sont vastes. Et en plus de tout ce qui est visible pour les passagers et le grand public, l'envers du décor nous montre une activité intense dans plusieurs domaines, activité indispensable à l'exploitation des lignes aériennes. Ici, par exemple, sont inspectés régulièrement les moteurs de la plupart des avions de la Sabena et les appareils que la compagnie belge assiste. Ensuite, chaque moteur passe au banc d'essai, un banc d'essai entièrement silencieux à l'extérieur. Tout à côté, un autre banc d'essai beaucoup plus important destiné au moteur de 747 est pratiquement achevé. Dans les sous-sols de l'aéroport, plusieurs simulateurs de vol permettent aux pilotes d'acquérir et de maintenir leurs qualifications sur les appareils mis en service à la Sabena. Dans le hall de départ, les formalités d'enregistrement sont réduites au minimum grâce au nouveau système électronique baptisé SAFO. Toutes les opérations se déroulent en fractions de seconde à l'aide d'un clavier permettant d'interroger l'ordinateur. Toutes les données relatives aux passagers et aux bagages sont transmises à un centre de contrôle qui, à chaque instant, est à même de fournir les renseignements complets relatifs à chaque départ de Bruxelles National. Ce système est aussi alimenté par Saphir, qui permet de réserver les places d'avion par ordinateur. On en parle moins, mais le fret est une des ressources principales des compagnies aériennes. Le départ de Jumbo est en vue. Un équipage se dirige vers l'avion, tandis que les bagages des passagers sont expédiés vers les soutes de l'appareil. Au même moment, l'embarquement du fret se termine. Les derniers containers sont disposés dans le Jumbo 747. Déjà se présentent les passagers au pied des passerelles. Dans quelques instants, tout sera en place. Une nouvelle fois, un avion va prendre son envol. New York, Montréal, Buenos Aires, Tokyo, Singapour, des noms de villes qui faisaient rêver il n'y a pas si longtemps et qui sont devenus aujourd'hui proches de nous grâce au développement de l'aviation civile belge.